Oi, tu te demandes pourquoi cette réaction? Mais regarde, ce mec n'est pas humain et m'impressionnera toujours, il fait la une d'un des plus gros magazines aux States, tout simplement. J'espère que vous allez bien l'équipe, malgré le fait qu'il s'agit de la 667 millième vidéo sur Kylian Mbappé. Mais j'ai apprécié, vous avez apprécié surtout la vidéo de la semaine dernière sur les avis des stars du foot à propos de la star montante du football français. Kylian Mbappé, je n'ai jamais cité autant le blaze d'un joueur de foot en une vidéo. Jusque là, malgré sa jeune carrière, 19 ans, et le fait que c'est totalement inhumain de remporter autant de choses si rapidement, on a eu des avis très très positifs de Ronaldo, Zidane, Benzema, Sergio Ramos, et j'en passe. Voyons aujourd'hui, pendant que tu m'éclates ce bouton, juste en dessous qu'on atteigne la barre des 4000 likes avant minuit ce soir, l'avis d'autre grande star du foot. Do it like this, I've been on the ground like this, do you like this? Avouez que j'ai tous brisé votre sommeil avec cette chanson de VZ Dream qui, une fois que tu l'entends une fois, bah te reste trop dans la tête et malheureusement tu ne peux plus dormir. Non, en vrai, l'équipe, cette musique incroyable, mais je vais pas dire qu'on en a marre, mais on l'a trop en tête. La semaine dernière, il était intéressant de voir l'avis d'un champion du monde sur un autre champion du monde, Griezmann, Mbappé. Putain, quel joueur! On se disait, putain, quel joueur! Tu te rappelles? Voyons l'avis du casse la démarche. C'est vrai que Kylian, quand on lui parle de son âge, il aime pas. Bah, pour l'embêter, on lui dit même qu'il a 15 ans des fois. Et là c'est pire, mais c'est quelqu'un de très mature. J'en ai rarement vu. Rarement vu de mature. On peut parler de tout avec lui. On ne dirait pas qu'il a son âge. Et aussi, il a la tête sur les épaules. Et c'est quelqu'un qui sait où il veut aller. Et comment déjà, et c'est ce qui m'impressionne. Son calme, sa sérénité, malgré ce qu'il est en train, on va dire, il est en train de faire un truc de fou quand même. Une Coupe du Monde à cet âge-là, marquer autant de buts et il reste le même. Après, il sait très bien que s'il commence à vouloir se prendre pour un autre, il y a tellement de joueurs dans cette équipe-là pour le remettre à sa place que c'est mieux de. Qui reste comme ça et il va nous faire du bien pendant très très longtemps. C'est vrai qu'en parlant de maturité, il a pas tellement tort, hein. Même moi qui est plus âgé que lui, je suis moins mature, clairement. Et puis c'est ça aussi qui est exceptionnel, le mec a 19 ans, tu dis il est champion du monde, deux fois champion de France, on dit de lui qu'il mérite déjà le ballon d'or, on pourrait dire sa tête elle est triote là, non, il la garde sur les épaules et c'est incroyable. Maintenant l'équipe, que diriez-vous? De toute façon t'as pas le choix, c'est moi qui décide, le mec agressif de ouf, de voir celui qui l'a sélectionné pour la Coupe du Monde, Didier Deschamps. Je l'ai déjà dit, Kylian, il fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a été capable de faire, même s'il est jeune, voilà, c'est un peu hors norme. Il est hors catégorie. Il y en a un de temps en temps. Voilà, j'ai le privilège qu'il soit français, qu'il soit avec nous. Mais il ne fait pas les choses simplement, il ne les a jamais fait simplement, ça a toujours été un accéléré. Hier, voilà, c'est la confirmation de ce qu'il est capable de faire, le talent qu'il a, et il le sait, il a encore une marge de progression, mais déjà, tout ce qu'il a fait de très bien jusqu'à maintenant, jusqu'à, évidemment, en incluant son quadruplé d'hier, c'est Kylian, donc voilà, c'est... Il y en a beaucoup d'autres, Kylian, mais lui, c'est Kylian Mbappé, c'est prodigieux ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, et ce qu'il a fait, je suis à même. Lexi, de toute façon, s'il le sélectionne, c'est forcément qu'il a du talent, c'est vrai, totalement vrai. Mais ça n'empêche que lui aussi le complimente en conférence de presse, pendant qu'à côté de ça, ça parle de Benjamin Mendy, et ça le tacle prodigieux ce qu'il fait. Faut dire qu'une conf de presse après un quadruplé en 9 minutes, ça aide aussi beaucoup au compliment. L'un des gardiens les plus légendaires du football actuel, aka celui qui a rejoint le Paris Saint-Germain, celui qui avait déjà rencontré Kylian Mbappé en Ligue des Champions lorsqu'il évoluait à l'AS Monaco, Gianluigi Buffon. Mbappé, c'est del 98, cos'è, 98, sì. Dicembre 98, avevo già fatto il mondiale in Francia quando è nato. E quindi, beh, è il bello un po' della vita, ecco, e dell'essere longevi, no? Questo però è molto, molto bello e molto stimolante. E sapere che di giocare contro i futuri Messi, i futuri Cristiano Ronaldo, i futuri Neymar, Mbappé, cosa si può dire? È un talento incredibile per quello che ha fatto vedere. Mi sembra anche un ragazzo... a posto, un ragazzo a modo, un ragazzo per bene e questo lo aiuterà molto nella sua carriera e gli auguro possa essere veramente luminosa.
exceptionnel, complètement exceptionnel l'équipe. Dites-vous que la carrière de Buffon a débuté en 95, Mbappé est né en 98. Il a donc vu celui qui est son coéquipier à l'heure actuelle en 2006 faire perdre la Coupe du Monde à l'équipe de France. Je sais pas trop comment tu le prends, non. Bien évidemment, légende du football qu'il doit... qui fait avoir dans son équipe. Celle-là, elle t'intéresse, elle m'intéresse, elle nous intéresse. Dans le sens où on les a énormément comparés, les ressemblances sont flagrantes. De 1, ils ont montré leur talent tous deux à l'AS Monaco. Et de 2, le profil de ces deux joueurs se ressemble énormément, Thierry Henry. J'aime pas comparer les joueurs. Faut que Mbappé devienne Mbappé. Et c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Oh, j'aime beaucoup. Et puis, je l'ai rencontré. Il m'a donné l'impression d'avoir la tête sur les épaules et... Et j'aime bien le regarder jouer parce qu'il pense. Et il y a un truc qui me chatouille et qui me chagrine des fois, c'est qu'on parle souvent de joueurs. Il va vite. Il est costaud. Il saute haut. Mais on ne parle jamais du cerveau d'un joueur et ça m'énerve. Que quand je le regarde dribbler, il pense. Il pense, il t'amène là. Il feinte, il revient. Il pense quand il joue, il pense. Et ça, pour moi, c'est le plus important dans un joueur. Il pense, il utilise son cerveau. Oui, il va vite, oui, mais il pense, le petit est malin. Et ça, pour moi, c'est le signe d'un mec qui peut aller très loin. Il pense. Je pense qu'on l'a pas assez dit. C'est vrai que comme cité précédemment, Mbappé, en plus de la vitesse, de la technique, de son talent tout court, il a le cerveau. Kylian Mbappé. Passons désormais avec le mec qui a quitté le Barça pour sortir de l'ombre de Messi, afin de se retrouver dans celle d'Mbappé. Ceci est une vanne, bien évidemment. Neymar. Não, os parabéns, claro. A gente se falou durante a Copa sempre, né? A gente fala assim, que ia tentar se encontrar na semifinal e acabou não sendo, fiquei devendo essa pra ele. Mas eu tô muito feliz porque é um menino que eu tenho um carinho especial, é um menino que eu passo toda a experiência que seja por pouca idade que eu tenho, eu passo pra ele, eu procuro ajudá-lo, né, e a torná-lo cada vez mais. Afin de l'aider à devenir meilleur. Je vois déjà les commentaires arriver. Mais c'est vrai qu'il aurait été exceptionnel de voir un France-Brésil en demi-finale. Peut-être pas pour nous, dans le sens où ça aurait été peut-être plus compliqué. Je sais pas, la Belgique était très forte aussi. Mais Neymar, bien sûr que ça valide Mbappé, coéquipier PSG, tu connais. Et enfin, pour conclure, là où vous êtes impatient de connaître la vie, c'est bien évidemment celui qui est sur la miniature. Il est quintuple ballon d'or et je vais t'arrêter de teaser. Tu sais bien évidemment qu'il s'agit de Lionel Messi. On a fait Ronaldo la semaine dernière, obligé de voir la Pulga. Bueno, hoy por hoy creo que hay muchísimos grandes jugadores que pueden optar en cualquier manera, en cualquier momento a ganar Balón de Oro. Se dio que en los últimos años éramos nosotros dos, pero creo que hoy por hoy hay muchos más jugadores como Neymar, obviamente, Mbappé, Suárez, no sé, ahora en este momento, pero hay muchísimos jugadores que van a pelear por ese premio. Dit par un mec qui l'a remporté 5 fois comme Ronaldo la semaine dernière. Putain, mais t'as réellement tout gagné. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur la vie des stars du foot, sur Kylian Mbappé. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour m'éclater cette barre de like. Dites-moi un peu vos avis sur les différents avis. Avis, beaucoup trop d'avis, mais comme toujours, tu me donnes ton avis dans les commentaires. Propose-moi aussi d'autres concepts de ce genre sur la chaîne YouTube. Je sais que ça vous plaît énormément. Je le vois au pouce bleu, commentaire, vu. D'ici là, l'équipe, vous en rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao. What's up, on the job? I need to go. What's up?